Ça se passe bien malgré que les mamans souffrent toujours dans le soleil. Et le feu, la fumée et tout ça. C'est la bénédiction que nous donnons à notre fille. De son union, lui aussi béni. C'est ce qu'il a ordonné. Et nous disons merci que tout se passe bien. Puisque la cuisine se passe bien, et tout sera aussi, et tout se passera aussi. Dans le nom puissant de Jésus. Comment vous avez fait ça? C'est le goût. Ça va, ça avance. On attend juste avec famille maintenant, là, nous sommes prêts. Martine, je te dis que regarde comme je suis sur le soleil. Pour toi, ma petite soeur. Bon mariage. Je suis la mère de la mariée. Je fais le poisson. Et Coty, s'il vous plaît. Côté de la presse. Oui, bonjour. Alors, je suis la collègue Amandi. Là, on est venu prêter main forte pour la grande soeur de notre collègue qui se marie aujourd'hui. Voilà, tout se passe bien. C'est également la collègue Amandi. Nous sommes venus aider. Donc là, nous sommes au niveau de la presse. Vous allez vous régaler ce soir. Wow. Mais juste heureux ménage. Que Dieu accompagne, que Dieu l'accompagne dans son foyer avec son futur. La joie ici à On est en train de faire de la salade. Donc vraiment, on est au four au poulet. Ça fait longtemps. Martine, je suis contente de cela pour toi. Wow. Après, je vais faire riz cantonné. Tu as les éléments pour faire le riz. Oui, il faut le. Il y a pas de. Ne nous mets pas ça dedans. Ne mets pas ce qu'on dit là dedans. Vous inquiétez pas. Ah ben, vous êtes déjà en avance là. Il faut ça c'est le carburant. Je ne vais pas dormir ici. Quand je prends ça là, je me transforme. Vous êtes réveillé. Oui, vous êtes réveillé. Là c'est ça. Végéta, tout ça la monte sur. Ok. L'inspiration arrive, souffle. Bonjour, c'est ma belle-sœur. Belle-fille. Voilà. Ah.
c'est ma belle-fille. Je suis l'aîné de toute une flatterie. Et donc, je suis très heureuse, trop contente. La semaine dernière encore, j'accompagnais une de mes grandes sœurs. Et là, c'est elle que j'accompagne. Donc voilà, je suis très heureuse pour elle. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, que la main de Dieu soit sur leur couple. Ok, super. Bon, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous réservez? C'est le grand jour, c'est le jour J, d'accord? Donc là, on est dans les derniers instants, il est midi 15, donc il nous reste 45 minutes. Là, je suis avec mon directeur de cabinet, d'accord? De campagne. En même temps, mon directeur de campagne, parce que je lance bientôt ma campagne. Ici, Itetos, c'est le deuxième. La machine. Directeur de campagne adjoint, voilà. C'est les deux gars qui vont tout gérer, voilà. Si vous avez un souci, ceux qui sont au pied, ils font tout. Et machin. Donc là, sans alcool, on fait pas de pub, hein. Mais chez nous c'est sans alcool. Okay. Il y a la maman, elle est fatiguée, elle a trop travaillé, elle se repose. Le petit temps pour avancer. Mais ne filmez pas les choses, sinon après la belle famille va voir, ils vont être incertains. Hein. Et puis là, les enfants, donc voilà. Rendez-vous tout à l'heure, j'espère que vous serez avec nous, hein, les gars. Bien sûr. Rendez-vous tout à l'heure, vous savez où c'est? Avant le carrefour Bambouchine, et puis ça va péter, les gars. Bon, actuellement, je suis heureux, je suis content parce que c'est une étape de la vie, n'est-ce pas, que l'on franchit, et puis avec toutes les surprises, toutes les agréables surprises autour. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, présentement, j'ai la diarrhée. Donc il y a le stress. C'est lui le stress. Il est dans un état critique. C'est quoi le stress, hein? C'est quoi? Ah, c'est parce qu'on a mangé là. Piment, ouais, on appelle ça la période de transition. Ouais, deux mois. Je suis enthousiaste, hein? Pressé. Donc
J'espère que la belle famille, ça va bien se passer, parce que si ça se passe pas bien, on va occuper nos choses, on va voir nous-mêmes. Et comme on a pour habitude de le dire, c'est enfin notre sort vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Après consultation de tous ceux qui sont avec moi, du moins des têtes de file qui est là-bas, je me suis permis de me lever pour vous présenter quelques excuses. Parce que vous savez, nous sommes des Africains. Et comme vous le savez, nous avons un problème avec l'air. Et il faudrait qu'on fasse avec, malheureusement. Nous espérons que, au fil des années, que nous allons nous arrimer au standard, comme on dit, voulu par tout le monde et qui pose moins de problèmes aux uns et aux autres. Donc, c'est pour présenter ces excuses que je me suis permis de me lever. Mais quand on présente des excuses, on ne les présente pas simplement verbalement. Je présente des excuses en déposant
ceci pour demander des excuses pour le retard avant de poursuivre ce que je voulais dire. Donc je vous prie respectueusement de bien vouloir nous accorder ces excuses et j'espère que ceux qui nous retardent seront là dans quelques minutes. Aïe, adi que me donne le wow, adi, babé me est retard. Bangou retard, banyinzine, pnevia. Banyinzine, adi, babé me est retard. Pescuse, bang, de zam. Ni, zam, le dinza, dame, me dit maman, est soumle ba, bébé me est vieux, zam, le dinza. Bébé ne zam, via. Moi, ma piquette zam, bouke, bé, wow, a piquette zam, bad. Yang, yam, que soumle bé. Bébé me yéni. Mais c'est tellement. Mansoum le bébé, bébé me yéni, j'en prie, c'est ça. Ben te wou, bébé y'a gassou de m'tit. Ben te tante me j'en prie, bébé akéye ne ça. J'en prie akéye ne bénis, j'en prie. Ben te tante, kama tellement, ma tchè. Je voudrais, même si la réponse formelle à la demande d'excuse ne m'a pas été donnée, ou tout au moins ça m'a été donné en langue, mais que nous n'avons pas suffisamment saisi, je considère que les excuses ont été acceptées et que je vais, disons, emboîter le pas et continuer. Je voudrais commencer par dire que, avant de poursuivre mon propos, je suis, comme vous le savez, nous sommes des femmes, mais des Gabonais tout de même. Donc, les informations que nous avons de des coutumes, des habitudes, de la culture de nos différentes ethnies, établissent que quand on vient dans un village, on ne peut pas se permettre de prendre la parole et de dire ce pourquoi on est venu si on n'en a pas l'autorisation. Je voudrais donc commencer par là, en demandant l'autorisation de prendre la parole ici, dans ce village, dans cette cour, pour que je puisse livrer le contenu du message que je voudrais livrer ici. Pour demander cette autorisation de prendre la parole, je voudrais déposer ici une bouteille de Saint James, et ça à titre symbolique, pour la parole que je sollicite ici et pour que je puisse continuer et développer le propos qui nous amène ici. Kakama wa telme, oh oh wow, zitsanga, nano wow. Plus que metand wa telme, wa tanda tofumbo wow, wow, na yuk. Je vais reprendre la parole. Je disais que nous sommes chez nous au Gabon, mais le Gabon il est divers. Dans cette diversité-là, on trouve des hommes et des femmes qui appartiennent à des groupes. À l'intérieur de ces groupes, ils parlent des langues différentes. Et nous sommes en train de vivre cela en direct, parce que tout ce que vous avez dit depuis que nous sommes là, elle dit dans une langue qui, naturellement, est la vôtre, la langue du village dans lequel on se trouve. Mais de notre côté, nous n'avons pas, pour les mêmes raisons, saisi la portée de ce message. Et nous souhaitons donc que nous puissions nous mettre d'accord pour que nous ayons un vecteur commun de nos messages,
c'est-à-dire que nous puissions parler une langue qui permette à chacun de nous de suivre ce que nous aurons à dire ici. Et c'est pour cela que vous demandez la... Vous demandez la traduction pour que nous puissions nous mettre d'accord là-dessus. Je souhaiterais que, à titre symbolique, que cette bouteille puisse être la clé qui va ouvrir, disons, cette langue commune, afin que nous puissions nous entendre. Je voudrais d'avance vous remercier. Donc, traducteur, c'est pas cabo en goût melab. Est-ce que tant de pays manque, mais pas que tant d'un. On va aller vite. Puisque vous avez déposé cette bouteille, mais pour la traduction, un traducteur, s'il finit cette bouteille de vin, je ne sais pas s'il pourra traduire. Donc, si vous estimez que le traducteur doit prendre la bouteille de vin, ok, vous allez tout assumer. Bien, cher ami, si vous me permettez de vous appeler ici, nous avons bien compris. Vous savez, il n'y a que ceux qui ne font pas, qui ne font pas d'erreur. Nous sommes des humains, effectivement. Nous avons bien saisi le sens de votre propos. Si seulement nous nous arrêtons à la boisson, ça a un sens. C'est la raison pour laquelle je voudrais ajouter à la boisson ces 10 000 francs pour demander la traduction. Maintenant, nous commençons à nous comprendre. Alors, je suis Bélébélé Oinga Fabrice. Je représente ici, je prends la parole ici au nom des clans Sandandi, Oumana, Satok, Oumumba. Bien entendu, ma tante. Nous sommes originaires du Haut-Ogun, plus précisément le village Bangéné. On nous trouve à Bangéné, on est à Mounana, on est à Bakumba, on est à Mwanda, jusqu'à l'Astorville. On est là-bas. Alors, pour reprendre ce que je disais en langue, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui parce que nous sommes au mois de janvier. Et ça ne fait pas longtemps, nous avons chacun réveillonné chez lui. Et donc, nous avons décidé de nous retrouver aujourd'hui chez papa parce que c'est le patriarche ici. Il était question que nous nous retrouvions. Et puis, pendant que nous sommes là, on m'annonce qu'il y a une délégation à l'extérieur. Je suis inquiet parce que je me suis retrouvé là avec ma famille pour des raisons festives. Mais maintenant qu'il y a une intrusion, je me pose la question parce que j'ai plusieurs enfants, j'ai plusieurs petits frères. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'un des miens est allé causer du tort à quelqu'un à l'extérieur? Je voudrais, puisque la traduction est faite, je voudrais commencer par me présenter. Je suis Gamesson Michel. Je suis femme du clan Yevon de Nokobis. Et je ne suis pas ici pour des raisons artificielles. Je suis ici parce que je suis l'ennemi.
c'est à ce titre-là que la parole m'est donnée ici. Et c'est pour cela que je m'adresse à vous, au nom de tous ceux qui sont derrière et ceux qui ne sont pas là, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Nous sommes ici, chez vous, dans votre cour. Je voudrais, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, vous remercier infiniment pour nous avoir accordé la possibilité d'entrer chez vous cet après-midi. Je voudrais relever que nous sommes aujourd'hui mercredi. Ce n'est pas un jour férié. Jeudi, ce n'est pas un jour férié. C'est un jour de travail. Mais les uns et les autres, vous avez accepté de, disons, pour quelque temps, afin de nous recevoir d'être ici. Je suppose que beaucoup ont dû laisser leurs occupations quotidiennes pour venir nous accueillir ici. Je disais que je suis fan de Bukovic. Nous avons, bien que tant Gabonais comme vous, nous nous battons tous pour que nos identités culturelles soient préservées. Je suis conscient que vos identités, votre identité, vous battez pour la préserver. Mais nous aussi, en tant que femmes, nous avons notre identité culturelle et notre manière de faire, comme vous avez votre manière de faire. Quand on se retrouve dans des situations comme celle-ci, ce qui arrive le plus souvent et que nous sollicitons, c'est que nous puissions nous soumettre aux exigences de la culture qui est celle de ceux qui nous reçoivent. Nous essayerons de faire au mieux, mais je voudrais d'ores et déjà vous prier de bien vouloir excuser les imperfections que vous pourrez constater tout au long de notre manifestation de cet après-midi. Nous sommes venus donc ici chez vous. Vous êtes du Haut-Ukoué, comme mon vis-à-vis l'a dit. Et chez vous, il y a, selon les informations que nous avons reçues, des manières de faire. Nous avons commencé à le faire. Et je voudrais donc dire que nous sommes ici, puisque mon vis-à-vis a dit qu'il ne sait pas pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que j'ai un fils, le fils de mon petit frère, qui est venu nous voir en tant que parent, père, mère, sœur, tante, pour nous dire qu'il souhaiterait venir ici chez vous. Parce qu'il a fait la rencontre de quelqu'un. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises quelle était cette personne. Il nous l'a présentée. Nous l'avons vue. Et nous lui avons demandé si, lorsqu'il nous dit de venir ici, il soulève ses parents, ses grands-parents, ses sœurs et ses cousins et ses oncles. Est-ce que il est sérieux en nous demandant de faire ça? Nous lui avons accordé un temps de réflexion. Et au terme de ce temps de réflexion, il est venu donner sa réponse. Et c'est à la suite de sa réponse que nous avons, disons, exaucer ce vœu qu'il nous a exprimé d'être ici cet après-midi pour parler de ce dossier-là, si j'ose parler d'ici, qu'il a rencontré une de vos filles et qu'il souhaiterait qu'on vienne vous voir pour
faire, comme nous avons, nous, l'habitude de faire auprès des parents que vous êtes. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, cher ami, l'objet, c'est celui-là. L'objet, c'est celui-là. Je voudrais, pour l'instant, sauf si vous me donnez la possibilité de continuer pour gagner du temps, par exemple, je voudrais m'arrêter là pour vous demander si je peux continuer. Certifier que mon fils est un homme et que c'est lui qui est concerné par ce que nous faisons aujourd'hui ici. Nous avons fini la phase que nous avons tous conclue ensemble. Maintenant, voilà mon fils qui est là, qui se présente à vous. C'est, il faut dire ton nom devant cette famille. Bonsoir tout le monde. Je suis Amba Armand. Très bien, mais il ne faut pas commettre l'erreur qu'on a commise là. Il faut dire que tu t'appelles Mbango Armand. Sinon, on va encore passer par
une étape pour qui va nous coûter ce qu'elle pourra nous coûter. Il s'appelle, tu t'appelles bien Mba Ango Armand. Voilà son nom. Voilà, merci. Ok, merci. Je crois qu'en rentrant ici, vous avez dit que c'était pour tisser une amitié. Parce que j'étais inquiet, je pensais que c'était la guerre. Vous m'avez rassuré en disant que vous veniez ici en ami. Et tout à l'heure, lorsque votre fils est arrivé, vous avez dit, je vais reprendre, je vous présente très respectueusement mon fils. Je ne sais pas si vous me l'avez présenté très respectueusement. Parce que vous êtes arrivé, vous êtes dans un chemin. Vous dites que vous venez demander la main de ma fille. Vous êtes venu pour tisser une amitié. Vous ne savez pas si on est déjà amis ou pas. Mais vous avez permis que votre fils rentre chez moi en fanfare, des sifflets. Vous êtes arrivé là, je vous ai dit asseyez-vous. Vous vous êtes même levé pour l'accueillir chez moi. Enfin, est-ce qu'on fait ça dans nos traditions? Mieux, j'ai dit je veux voir ton fils. Tu es venu, tu présentes ton fils, tu le mets devant moi. Oui, il est là. Et il a dansé là. Pour te montrer que moi, je suis un inapte. Mets-moi la même musique là. DJ, mets-moi la même. Vous savez, nos enfants là, ils font des choses selon les réseaux sociaux parfois. Et ils le font parfois quand vous demandez. Et vous êtes mis devant le fait accompli. Mais on va encore faire comment? Donc, je voudrais, en leur nom, présenter des excuses à notre ami, je crois que je peux parler comme ça, pour avoir, j'allais dire, violé cet aspect de la question, parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas faire ce qui s'est passé là si le verdict n'est pas tombé. Donc, je voudrais encore une fois payer cette amende-là pour me faire pardonner. Merci, je voudrais comprendre. Ça, c'est par rapport à son entrée fracassante ou bien? Ça, là, c'est par rapport à ce que nous avons tous constaté. D'accord. Mais vous avez également constaté qu'il m'a défié, j'ai dansé. Mais il faut éviter de nous. Où est l'argent? On veut l'argent. Bien, merci beaucoup. Effectivement, on ne fait pas danser son. Ah, mais est-ce que j'ai le droit, mais.
Enfin, je sais pas. Je sais pas comment dire. Allez-y, dites. Je préfère payer la mort pour les enfants parce qu'ils vous ont fait partir. Ok, maintenant qu'on s'est compris, l'enfant est arrivé, je suis rassuré, toute la famille avec moi. Alors, puisque vous dites que vous êtes venu pour la main de ma fille, dans ce cas, dites-moi comment vous êtes venu. Maintenant, puisque vous avez sollicité un temps, maintenant, je vous autorise. Bien, merci beaucoup. Ce que nous allons faire là, vous vous en doutez. Même si pour certains, on ne s'est jamais vu. Mais nos enfants, ils échangent. Nous avons toujours quelqu'un que l'on connaît quelque part. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du tort à un être humain. Parce que c'est un iceberg. Nous sommes tous des icebergs, c'est-à-dire des blocs de neige. On ne voit qu'une petite partie, mais ce qui est caché, on ne le voit pas. Et c'est le plus important. Je veux dire par là que je suis persuadé que parmi vous, il y a des gens que j'ai déjà rencontrés plusieurs fois personnellement. Même mieux. Donc quand j'ai un problème, ils le savent. Et ils me donnent des indications que j'essaie de suivre pour ne pas faire de bêtises. Pour dire, mon cher, mais je vais venir chez toi. Mais il faut me donner, il faut m'aider. Comment est-ce que je fais? Et ces indications-là constituent, disons, la voie que je vais suivre pour ne pas faire de bêtises. Donc j'ai essayé autant que possible, essayer de m'informer. Pour ne pas être loin de la tradition de la famille dans laquelle. Donc tout ce qu'il y a là, a essayé, autant qu'il l'a été possible, nous avons essayé de suivre. Sous notre ciel, on énumère un compte. Mais les informations que j'ai reçues de la famille que nous avons devant nous établissent que quand ils font confiance, c'est la confiance. Et qu'à partir de ce moment-là, ils postulent que nous avons respecté ce que nous avons eu comme information. C'est pour cela que je voudrais demander votre. Je voudrais vous dire que ce qu'il y a là, nous avons essayé de tout faire pour que ça colle à ce que nous avons reçu comme information. Il peut se trouver qu'il y ait quelques ratés. Mais je vous dis, je vous rassure que nous avons essayé de respecter les informations que nous avons reçues. Donc il y a simplement à titre de générique, je ne veux pas compter. Il y a là-dedans des bières, des liqueurs, du vin, des machettes, de l'huile, de l'oignon, des nattes, des casseroles, des seaux, des cuvettes. Je crois que je n'ai pas oublié les couvertures, des foulards, des pagnes bien sûr, des limes, du tabac, des mèches. Et puis le riz, bien sûr, le poisson salé. Voilà ce que nous avons pu trouver. Et vous savez que nous faisons sous votre contrôle. Et comme je l'ai dit, nous travaillons sur la base de
la confiance que vous nous faites. Vous nous avez fait confiance en nous ouvrant les portes de chez vous. Donc vous considérez que nous ne pouvons pas venir ici. Nous ne sommes pas le genre de personnes qui disent une chose et le contraire. Si nous avons dit que nous allons respecter, nous allons essayer de tout faire pour respecter. Donc voilà ce que je voulais dire. Chez nous là-bas, vous avez l'habitude de faire comme ça, de compter, mais sachez que pour des raisons de confiance et de gain de temps aussi, nous pouvons, avec la bénédiction de notre famille en face, ne pas le faire pour la circonstance. En plus de ça, en plus de ce qu'il y a là, je voulais tout simplement dire que nous n'avons pas pu trouver, parce que ça nécessite des informations supplémentaires en ce qui concerne les tailles de nos... Je pense que je peux, à ce stade-ci, me permettre de dire de notre beau-père et de notre belle-mère. Nous avons donc prévu une petite enveloppe. Il est mieux, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il vaut mieux qu'avec ça, ils aillent eux-mêmes prendre des mesures et trouver ce qui leur convient plutôt que de leur amener quelque chose qui est standard et qui risque ou d'avoir des manches trop longues ou être étroit. Nous avons pensé qu'il valait mieux régler le problème de cette manière-là. Et nous avons donc prévu une petite somme d'argent pour que la belle-mère et le beau-père puissent eux-mêmes aller voir ce qu'ils veulent acheter comme habillement en la matière. Et je voudrais encore une fois vous prier de bien vouloir nous en excuser. Nous avons pris cette précaution-là parce que ça arrive le plus souvent. J'ai dit tout à l'heure que nous avons prévu une petite somme pour la belle-mère et le beau-père. Nous avons prévu 200 000 francs, 100 000 francs à chacun pour le vêtement. Donc, je les dépose aussi. Là, ils sont là. Mais ça, bien sûr, ça n'entre pas dans le cadre de... Non, c'est pour ça que les enveloppes sont de couleurs différentes. Ça, c'est la blanche, c'est pour ça. Et puis, nous avons une séquence qui est importante. Tout aussi, toutes les séquences sont importantes, mais il y a un aspect qui est important, très important. Je me pose la question, ça c'est pour savoir et c'est pour m'interroger à haute voix. Est-ce que c'est maintenant que je le fais ou c'est après avoir vu notre future belle-fille? Parce que je risque de parler de ces choses-là en son absence. Est-ce que, je demande, je sollicite votre indulgence, est-ce qu'on ne peut pas attendre qu'elle soit là pour que je puisse parler de ça? Nous ne savons pas de quoi vous parlez. J'ai pas fini. Je parle des enfants et de l'adultère qu'il faut payer. Parce que chez nous, l'adultère existe comme vous chez vous. Mais est-ce qu'on peut payer l'adultère d'une femme qu'on ne connaît pas? Je crois que... Attendez un instant. Voilà. Nous allons discuter de ça tout à l'heure. Merci. Alors, merci. Vous nous avez apporté tout ce qui vous a été demandé. Mais je suis obligé de mettre un mais. Parce que quand on marche, aussi longtemps qu'on marche, on ne manque pas de trébucher. Et lorsqu'on a trébuché, il faut que on sache ce qui a fait en sorte qu'on trébuche. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est chez tous les Bantous. Quand on vient, on a prévu quelque chose pour son père ou sa mère, je ne sais pas si on dort le montant. Je ne sais pas.
j'ai cru entendre ici que vous avez prévu deux petites, ça c'est vous-même qui l'avez dit, vous avez prévu deux petites enveloppes pour le père et la mère. Et vous avez donné les montants. Voilà la mère. Vous avez vu comme elle est stylée. Regardez le père. Vous avez vu comment il est stylé. Donc, enfin, je ne sais pas. Mais ce qu'on donne aux parents, on ne vient pas dire devant tout le monde que voilà ce que j'ai donné. Décidément. Mais c'est dans l'ordre des choses. Je voudrais que vous m'accordiez un tout petit instant pour venir vous répondre sur cet aspect de la question. Si vous me le permettez, ça va durer quelques minutes. Bien sûr que nous sommes tous des Gabonais. Mais il y a des nuances entre nous. C'est pour ça qu'on s'appelle Franck, on s'appelle Bouvier, on s'appelle parce que ça connote des choses, bien sûr communes, qu'on appelle le Gabon. Mais à l'intérieur, il y a des groupes qui portent des noms précis et qui portent les choses de manière précise. Et il ne faut pas qu'ils les changent, parce que c'est leur identité à eux. Et c'est peut-être un de nos grands problèmes. Mais bref, je voudrais dire que quand nous sommes venus ici, nous sommes deux familles qui, si je fais l'histoire, il y a des gens qui sont passés par chez moi. Déjà, aussi. Donc ces gens qui sont passés par chez moi, ce sont mes souffleurs. Ils doivent me souffler, me dire, bon, quand tu vas aller faire ça, moi ne dis pas que j'ai acheté à tes montants. Si le costume était arrivé, même si c'était un Moutouki, on n'aurait jamais su que c'est un Moutouki. On sait que c'est un costume. En gérant le temps, nous voulons dire que vous savez que entre l'enfant et sa mère, il y a un lien étroit qui fait que quand on appelle l'une, surtout pour cet âge-là, il est bon que l'autre soit là. Donc cet enfant dont nous parlons là est lié à sa mère pour son âge. Donc ça nous aurait permis de gagner du temps si là on autorise que la maman vienne avec son enfant. Maintenant nous pouvons aller le chercher. Mais je dois signaler que l'enfant et sa mère sont encore très liés. Et c'est pour cela que nous pensons qu'en termes d'économie de temps, nous aurions pu faire les deux en même temps. Puisque là, de toute façon, il va s'agir de l'un et l'autre après. Si nous pouvons adhérer à ça, sinon, bon, nous ne trouvons pas d'inconvénient à ce qu'on aille chercher l'enfant qui est à côté de sa mère. Okay. Nous n'allons pas tirer. Mais ce que vous devez savoir, parce que le préalable, ici, c'était que l'enfant est lié à sa mère pour son âge et que pour payer l'adultère, il faut bien que l'on sache la femme pour laquelle on paye l'adultère. Mais je crains pour vous parce que jusque-là, je crois que je ne vous ai pas induit à l'erreur. Je vous ai fait confiance. Et ça me gênerait que quelqu'un surgisse de quelque part, qu'il ramasse tout ça et qu'il l'amène. Parce que je ne serai pas responsable de ça. Vous êtes arrivé, je vous ai expliqué que cette fille-là,
sauf si vous êtes arrivé ici pour me causer des problèmes. Je ne crois pas, parce que j'ai été franc avec vous. N'aille en mariage, pour qu'elle aille avec quelqu'un d'autre, il faut bien que je rembourse d'abord. Mais si vous exigez qu'elle vienne ici et qu'il surgit, mais malheureusement pour vous, vous risquez de perdre tout ce que vous avez déjà déposé. Merci. Bien, très bien. Bon, on va vous suivre. Il n'y a pas de problème, c'est un souhait que nous avons formulé. Et comme tout souhait, il peut être exaucé ou pas. L'essentiel, c'est de justifier. Et comme vous l'avez fait, nous prenons acte. Et nous allons donc procéder à... On va poursuivre par le paiement de l'adultère. Pour que nous ne perdions pas, comme vous nous l'avez dit, cette enveloppe-là que je mets ici. Mais je sors quand même. Qui est là? Qui est posé là? Pour l'adultère. Pour te remercier. Adultère. Tout ça. Voilà. Voilà ce que nous avons prévu pour ça. Ok. Merci. Vous savez, c'est moi qui l'étais venu voir. Je sers le pouvoir de transmission entre vous. Le parallélisme de forme voudrait que il est venu me voir pour verser sa dot. Et si quelqu'un veut rembourser, on doit le poser entre mes mains et moi, je vais rembourser. Donc, maintenant que vous avez réglé ce problème, il n'y a pas de problème. Vous voulez absolument rencontrer, voir ma fille. Vous voulez voir ma fille. Et chez nous, 18h approche. À partir de 18h30, je crains qu'elle ne sorte plus. Je n'irai pas moi-même. Je vais certainement envoyer l'un de mes enfants. Mais autant je vous ai fait confiance, si vous me faites confiance en pensant que vous devez donner un billet conséquent à l'aller-retour et celui de celle que vous voulez voir, pas de souci. À vous de voir. La balle est dans votre camp. Et le billet de l'enfant aussi, puisqu'ils sont ensemble. Le billet de l'enfant. Mon ami. Oui. Je crois qu'on se comprend à demi-mot. Moi, je tiens à ce qu'elle arrive le plus tôt possible et en toute sécurité. Et puis, j'ai fait des par les relations que chacun de nous peut avoir en termes de transport. Je me suis un peu arrangé avec les transporteurs pour leur dire que j'ai ma fille qui doit arriver. Dans les prix que tu pratiques habituellement là, il faut les revoir, c'est constant au moins. Et il m'a donné à peu près le niveau des billets. Et c'est sur la base du niveau de ces billets que j'ai prévu l'enveloppe que je vais vous remettre là. Donc, je ne dis pas le montant. Parce que si je dis le montant, connais mon ami, celui que je vais envoyer là. Il faut qu'il sache combien il aura pour son billet aller-retour. C'est pas moi, il est là. Bon, je dis la femme est là. La femme est là. Oui, oui, mais il y a trois billets. Il y a trois billets dedans. Tout à fait. Donc, un billet pour chacun. Voilà. Voilà. Donc voilà. Mais il faut voir le chauffeur que j'ai vu là. Je vais te donner le nom. Bon, je vais envoyer l'enfant. Comme maintenant qu'on est amis, on s'est vous voyez là longtemps, on peut se tutoyer. Maintenant que le lien
est tissé. Il y a les premiers biens qui ont été apportés, que j'ai acceptés. C'est vrai qu'ici, je n'ai pas encore accepté parce que je n'accepte pas comme ça. Il faut bien que l'intéressé, ma fille, vienne me dire si je dois accepter ou pas. Elle a dit qu'elle ne veut pas venir dans ses affaires. Et c'est très gagné, il y a trop de bagages. Donc, il faut le prix de bagages. Il faut quelque chose pour payer les bagages. Maintenant, si on met les bagages dans le train, et elle prendra l'avion parce que l'avion ne pourra pas prendre tous ces bagages-là. Vous savez, au village, quand la grand-mère, la mère vous a donné, vous ne pouvez pas laisser ce qu'elle vous a donné. Très bien. Mais nous souhaitons que notre fille vienne avec tout ce que les parents lui ont donné. Nous ferons ce que nous devons faire pour cela. Mais j'ai pris la parole tout à l'heure avec votre permission pour répondre à la remarque qui a été faite concernant le pétrole et les allumettes. Vous savez qu'il y a des symboles dans nos différentes coutumes, dans nos vies. Le pétrole, c'est le feu. Les allumettes, c'est le feu. J'ai assisté à un mariage où les parents n'ont pas voulu qu'on donne ni le pétrole ni les allumettes. Parce que ça symbolise le feu. Or, nous sommes en train de construire quelque chose qui n'a pas besoin de feu. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu amener le pétrole. Parce qu'on l'a dit ailleurs. Et nous avons donné raison à ces parents-là. Parce qu'en fait, c'est la vérité. Mais comparaison n'est pas raison. Nous préférons donc respecter cela. Mais ce n'est pas nous qui allons prendre la responsabilité d'agiter le pétrole, ni les allumettes. Nous avons pensé qu'il valait mieux vous donner quelque chose. Vous-même, vous irez acheter le pétrole sans nous. Les allumettes sans nous. Parce que nous ne voulons pas participer à ça. On ne veut pas allumer le feu. Nous voulons que ça soit bien et qu'il y ait quelque chose qui soit pas, qui ne ressemble pas au feu. C'est cela que nous allons vous donner ces 10 000 là. Pour acheter le pétrole. Combien? Hein? Combien? Non, c'est bon, c'est bon. Le pétrole? Mais le pétrole, c'est. On connaît le prix. Il n'y a pas ça sur le pétrole. Ça, c'est le pétrole. Bon, maintenant, pour le second aspect, je voudrais vous demander quelques minutes. Voilà. Hein? Et essaie de t'occuper de ça pour que ça marche. Allez, merci. Ok, merci. Non,
prochaine. Comme je te disais, je ne sais pas si maintenant tu me fais confiance ou bien tu es toujours réticent. Mais le voyage, comme il a été long, je ne voudrais pas laisser ma fille debout longtemps. Maman, voilà, je pense ça. Assez. Bon, tu es arrivé, tu m'as dit, je veux voir Kumba Bouyou Martin. Et tu as sorti de l'argent pour l'avion, pour le train. Mais pour une fois, c'est très gouvernement. Je crois qu'il faut qu'on les décore ce soir. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que c'est la bonne personne? Puisque vous êtes arrivé pour dire que vous venez pour Martine. Est-ce que c'est Martine qui est là ou bien c'est une autre personne? On dit qu'on ne peut jamais être mieux servi que par soi-même. Et là, je suis incapable, moi. Je viens de me tromper, donc... Il faut laisser à César ce qui est à César. Donc, mon cher ami. Les mots me manquent. Dans la famille, là, tout le monde se ressemble. Il faut que je vérifie. Si c'est elle. Non. Mais tu lui dis les belles paroles. Tout le monde veut écouter ce que tu avais dit ce jour-là. J'ai déjà vu les signes. Mais j'ai quand même une citation. Pour elle. Non, je dois prendre mon temps. Ce que je veux dire, maman, c'est que la vie que tu vois là, c'est comme l'amour que tu ne vois pas. Toi-même, tu sais. Quand Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il pensait à toi et moi. Le panier est dur. Je vais ramollir. Montre à tout le monde ce que je vois au réveil, maman. Bon.
mon ami. Est-ce que c'est la bonne personne ou il y a erreur sur la personne encore? Même si tu es terrible, je comprends pas. Tout à l'heure, vous êtes là pour lui, c'est la bonne personne. Quand elle est arrivée, vous êtes resté là, vous n'avez même pas dansé. Vous n'avez pas manifesté votre joie. Je ne comprends pas. Mon ami, tu arrives, tu me dis, je veux absolument voir ta fille. Il faut qu'elle arrive. Alors on me dit, je n'ai pas de pressé. Bonjour, ami. Tu sais, depuis qu'on est là, on a fini par te connaître un peu. Je ne savais pas que mon fils était un poète. Donc vraiment, et nous avons tous lu. Donc, tel père, tel fils. Bon, d'accord, maintenant que ma fille est arrivée, maman, nous avons envoyé ton frère chercher au village. Parce que nous nous sommes retrouvés pour les fêtes de Nouvel An. Et puis, on apprend qu'il y a des personnes à l'extérieur. Et nous avons permis qu'ils viennent pour nous dire qu'est-ce qui les a amenés. Et ils nous ont dit qu'ils venaient ici pour demander ta main. Alors, il va présenter son fils. Qui est même arrivé parce qu'il a dit que son fils est un poète. D'accord. Je viens de le constater également. Parce que c'est un artiste, les poètes ce sont des artistes. Quand il est arrivé, il m'a esquissé les pas de danse pour dire que il m'affrontait chez moi. Mais c'est pas bien grave. Je lui ai également montré mon pas de danse. Alors, ils nous ont apporté tout ce qui est là. Je ne voudrais pas prendre tous ces présents sans ton aval. C'est pourquoi dans toute chose il y a un auteur et un complice, sinon deux co-auteurs. Il y a un là-bas et l'autre c'est toi. Il est allé voir ses parents pour dire il faut qu'on aille voir les parents de Martine. Ils sont arrivés et ils sont arrivés chargés. Je ne voudrais pas prendre la responsabilité de t'envoyer là où tu ne veux pas. Parce qu'avant, lorsque, à l'époque de nos grands-parents, lorsque on avait un ami quelque part et on voyait que c'était une bonne famille, on tissait un lien d'amitié et puis on donnait sa fille pour que ce lien-là se perpétue. Mais aujourd'hui, c'est toi-même qui as fait le choix. Et donc, je vais te remettre ceci. Maman, voici c'est ce charbon que je dépose là devant toi. Voici la pièce de monnaie que je dépose ici. Si tu es d'accord que je prenne tous ces présents, tu prends ces deux objets, tu prends, si tu es d'accord, tu vas jeter ce charbon et tu gardes la pièce que tu devras remettre à l'un de tes frères, tu connais le rituel. Mais si tu n'es pas d'accord, tu gardes le charbon là. Si on t'a embêté là-bas, tu gardes le charbon, tu vas le leur donner. Oh,
Après Yannick, aujourd'hui devant toute la famille, devant ma famille que vous êtes et la famille d'Armand, je viens devant toi parce que tu es mon grand frère. Donc je vais commencer par te montrer combien de fois je te tiens à cœur. Je viens avec cette pièce de monnaie en signe de mon acceptation de l'amour d'Armand pour moi, en signe de mon acceptation de sa famille qui s'est déplacée aujourd'hui pour venir m'honorer. Et je viens te présenter cette pièce pour que tu daignes bien accepter cette union en tant que mon ami, en tant que mon grand frère. Martine, tu es sûr? Je suis plus que sûr. Sûr. Cette pièce, j'accepte également la relation entre Martine et Armand. En effet, cet enfant, je ne l'ai pas fait seul. Je veux également avoir la vie de la mère avec. Dans ce
Merci. Donc, maman, viens. Mon cher. C'est quoi ça? Comme je disais, je suis en train de l'accompagner. Parce que vous êtes arrivé chez moi pour le bien de ma fille. Et vous m'avez donné tout ce qu'il fallait. Désormais, c'est votre épouse. Et comme c'est votre épouse, il faut bien que je sache qui la reçoit chez vous. Parce que, comme on dit, nous avons parlé entre papa. Mais souvent, les femmes restent à la cuisine. Il faut une personne qui est avec elle à la cuisine, qui va prodiguer des conseils à tout moment. Martine, comme je te disais, c'est ton propre choix. Personne ne t'a obligé d'aller avec Armand. Tu arrives dans cette famille. J'ai la chance de connaître cette famille depuis près de 23 ans. C'est une famille que je connais parfaitement. Et c'est pourquoi je n'ai pas eu du mal à venir ici aujourd'hui. Parce que si c'était n'importe quelle famille, je ne crois pas que je me serais impliqué comme je l'ai fait. Mais c'est une famille que je connais et qui est assez responsable. Je suis dans cette famille, comme je te disais, depuis 23 ans. Et je souhaiterais que la même image que j'ai là-bas, que tu continues à maintenir cette image. Je ne voudrais pas que tu aies manqué de respect à ta belle famille. Une femme, tu as des problèmes avec ton mari, mais tu n'as pas de problème avec ton beau-père, tu n'as pas de problème avec ta belle-mère, tu n'as pas de problème avec ta belle-sœur. Et ton mari, quel que soit le problème, tu dois le faire en manger. Tout à l'heure, en venant, tu avais un panier. Et ce panier-là, on ne te l'a pas donné pour rien. C'est un panier cloué. Donc, certainement, Armand, il est jeune. Il a beaucoup de filles qui tournent autour. Mais ce n'est pas parce qu'il va siffler une que tu vas en faire un problème. Donc, il faut simplement comprendre que le mariage, c'est tout ça. Mais c'est pas pour autant que Armand doit te faire souffrir. Armand, vraiment, je préfère me tourner vers tes papas. Parce que je connais Michel, je connais Ingo, je connais Placide, toute la famille, je la connais. Et ce sont des personnes avec lesquelles je n'ai eu aucun problème. Je ne voudrais pas que Martine et toi veniez gaspiller ce lien qui est là depuis. J'espère que l'un a su que, celle-là a su que c'est le grand frère de Marie, et toi tu as su que je suis l'oncle de Martine. Donc je souhaiterais que tu continues à bien la garder. Ce n'est pas la peine de la violer lorsque quelque chose ne va pas. Je crois qu'il serait intéressant de revenir vers un parent de Martine. Quand tu as un souci avec Martine, viens vers le parent de Martine. Tu te confies à un des parents. Maintenant, toi c'est la même chose. Quand tu as un problème, c'est pas la peine d'aller vers, de revenir vers nous. Nous ne voulons pas savoir ce qui se passe chez vous. Une femme doit pouvoir supporter tout ce qu'elle subit là-bas. Donc, tu... Oui, mais je sais que les femmes devaient réagir, mais c'est pourtant la réalité. Alors, donc, il faut avoir un cœur gros comme ça, il faut avoir un panier troué, mais Armand ne doit pas te malmener. Les papas sont là, la maman est là. Maman, je te confie ma fille. En cas de problème, voilà. Il n'y a pas de frontières, laissez-moi épouser la personne dont...
Et comme je le dis souvent, c'est vrai que lorsque on met au monde une fille, on gagne un garçon. Et le garçon, c'est vrai, souvent, j'observe, lors des mariages, on fait traverser le garçon, on le laisse là-bas. En principe, c'est une erreur. Parce que c'est l'homme qui vient épouser, c'est pas la femme qui épouse. L'homme, simplement, il est désormais l'enfant. Avant de devenir notre enfant, en cas de besoin, il doit être là. Quand il y a un problème, il doit subvenir aux besoins qui sont les nôtres, comme nous, comme nos enfants. C'est en cela qu'il est notre enfant. Mais il ne peut pas traverser pour dire qu'il vient rester chez nous. Non, ça c'est une incongruité. Donc, souvent, quand je suis là, je fais un effort de rattraper ou encore de rectifier cette erreur que les gens tendent à perpétuer. Mariage soit honoré du Père de tous,
de la famille comme des amis. Et c'est ce qu'ils font ce soir. Nous bénissons les mains qui ont apprêté ce repas. Nous le sanctifions par le sang de l'agneau. Et qu'il soit, pour toutes les personnes qui vont le manger, source d'énergie et de force, de paix et de joie et de restauration. Pour ceux qui sont tristes dans leur temps. Nous disons encore merci à Gabino et à Gabino et à Martin pour cette merveille que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie. It's like we've always known, been said it's stone.
santé. À vous. Bye.
Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Caught myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while?